biersommelier Ben Vinke en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. Voilà Michel, moi net la Brasserie Dupont. Dat is een boerderij met een brouwerij en een kaasmaker. Dat vind ik al formidabel. En het is een koppel, dus Olivier maakt het bier en Pascal maakt de kaas. Dat vind ik nog beter. En die mag jij bezoeken. Ongelooflijk. Het geluk mag ook eens aan mijn kant zijn. Dat mag. Voilà. Oui Olivier, donc ici on est c'est la Brasserie Dupont, une typique ferme brasserie d'antan, donc où on fait de la saison. Oui, dans ces fermes brasseries, on avait du personnel pour travailler sur les champs en été. Beaucoup de main-d'œuvre était nécessaire. Et alors en été, on occupait le personnel à malter l'orge, donc on transformait l'orge récoltée sur les champs en malt d'orge. Et puis avec le malt d'orge, on brassait une bière. Mais on est venu pour la moinette blonde. Oui, mais on peut dire que la moinette blonde, en fait, ce n'est pas une saison, mais elle est brassée vraiment selon la même philosophie que la saison. C'est une saison dans laquelle on a augmenté la quantité de matière première. Donc on aura une bière qui va être plus forte en alcool. Bonjour Pascal. Bonjour Michel. Comment ça va? Ça va bien, merci. Moinette? Oui. Fromage artisanal? Oui, fromage artisanal. Le moinette, c'est un fromage à pâte demi-dure, saumuré dans un mélange de moinette et affiné à la moinette brute. On va affiner pendant 6 à 8 semaines. C'est celui qu'on vend sous le nom moinette jeune. Sinon, on peut le laisser vieillir. On a une vieille cave naturelle dans laquelle on laisse vieillir nos fromages et on obtient alors le moinette vieux qu'on garde en cave. Celui-ci, c'est un fromage de fin 2009. Donc c'est un fromage qui a un an et demi. Généralement vieux, on vend à partir de... une petite année. Donc la fromagerie se trouve ici Oui, la fromagerie se trouve ici dans un bâtiment contigu à la brasserie. Donc on achète le lait dans une ferme à 5 km d'ici. On travaille le lait frais du matin. Le lait est thermisé et ensuite on fabrique dans la journée. Het geheim van deze brouwerij zit hem in het gebruik van de naakte vlam. Aan Ben om dit fenomeen te ontdekken. Ah, voilà, c'est ça la fameuse flamme nue. C'est que Michael Jackson, hein, il can appeler ça la direct flame. Exactement, donc avec le chauffage à feu nu, on a vraiment une flamme qui va porter un point de la cuve au rouge. On va vraiment un point à 110 degrés dans la cuve en cuivre. Et de ce point-là, on aura une caramélisation des sucres du mou, mais également des mouvements de convection très particuliers, très spécifiques dans la cuve. Et donc tout un corps, tout un body pour la bière qui va venir de cette technique de chauffage qui est très ancienne et très rare maintenant. Donc ça donne un goût plus profond à la bière? Exactement. La technique de chauffe va vraiment donner du corps, du moelleux, beaucoup de corps à la bière finale. Je sais quoi, le moment est venu pour aller goûter. Hein. Voilà, on va amener un fromage quand même. D'accord, c'est voilà. Voilà, le moment suprême est arrivé. Michel. I bought some rock star ashes from the back of Rolling Stone. I guess he wouldn't mind it. They couldn't sell his soul. Ah, dat is toch een echte bier met karakter, hè? Dat is zo lekker moelleus, maar ook heel droog. Hè? Ik vind het ongelooflijk. Michel. Wel, ben ik bijna volledig gehoord nu. Wat ik fantastisch vind, het is een droog bier. Een bier met karakter, 8,5% alcohol. En uiteindelijk zit het bier met de moinettenkaas, die ook een affinage heeft van 14 maanden. Die ook dat droogte heeft en ook dat bitteren een beetje. Ik vind het een schitterende combinatie. Dit als aperitief, beiden top. Deux produits très complémentaires qu'on peut boire et manger en quantité intéressante à l'apéritif. Mais donc... En conclusion, c'est un mariage parfait. Cheers! Santé! Volgende week blikken Ben en Michel terug op hun avonturen van de voorbije 15 weken.